Et bonjour à tous et bienvenue sur Game Love aujourd'hui en compagnie de Chris. Salut Kevin, salut tout le monde. Alors aujourd'hui Chris avec qui je vais switcher sur Little Big Planet 3. Donc Chris, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce jeu? Très rapidement, c'est un jeu de plateforme. Ouais. Scrolling majoritairement horizontal. D'accord. Comme à l'époque. La particularité de cette série, c'est qu'on peut créer soi-même ses niveaux avec les objets qu'on récupère dans le mode solo et ces niveaux-là que l'on crée soi-même, on les partage en ligne. Donc on peut jouer à la fois au niveau du mode solo, à la fois nos propres niveaux que l'on construit, et aussi au niveau de la communauté, ce qui fait une durée de vie potentiellement énorme, quoi, si les gens participent. D'accord. Alors on va commencer avec le mode aventure. Il y a beaucoup à dire parce qu'ils l'ont vraiment amélioré dans cet épisode-là. C'est pas très long, mais il y a quand même pas mal de choses à dénicher, comme on va le voir dans ces niveaux-là. Alors, on va vous présenter un niveau assez sympa. Alors, je sais pas, tu préfères l'espace ou tu préfères le diner des USA, genre dans les années 60. Ouais, je te dirais bien, en mode rétro. En mode rétro diner. Ouais. Allez, on y va, dans celui-là. Là, ce niveau, il introduit pas vraiment un objet particulier, mais juste le fait de pouvoir se téléporter un peu à la Portal. Par exemple, je rentre dans le téléporteur ici et je ressors au premier plan. D'accord. En sortie ici. D'accord. Tu vois l'arrière-plan par exemple, on peut, tu peux y aller là-bas, on peut y accéder en sautant, sur ce truc. Voilà. Ok. C'est un corbeau à l'intérieur. Ok. Le gars qui découvre le jeu alors qu'il a fait le test. Il n'y a pas vraiment d'énigmes, ça avance vraiment bien. C'est plutôt la réactivité au niveau du gameplay. Faut être rapide au bon moment, sauter au bon moment. Ça ne demande pas vraiment d'énigmes, quoi. Ça ne demande pas énormément de réfléchir. Par exemple, là, ça va mettre en œuvre la vitesse à laquelle tu rentres dans le téléporteur, tu vois, pour ressortir. Ah, ok. Plus vite. Alors, peut-être que tu demandes ce qu'on y fait. Pourquoi on fait des... Oui, on se balade dans des niveaux. Quel est le but du jeu, effectivement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Parce que du coup, pour le moment, c'est juste une pelote de laine qui, c'est qui une se balade de laine dans qui des se balade. Ça fait un peu flipper, d'ailleurs. Tout les... Oui, exactement. Alors, le pitch 5 minutes, c'est qu'il y a un inventeur, un ingénieur qui s'appelle Newton et qui veut... subtiliser toute la créativité du monde de Little Big Planet. Il s'appelle Bunkum. Comment? Bunkum. Je ne sais pas, vous voyez bien le lire. Faut le dire la bouche fermée. Ah, Bunkum. Là je viens de décéder. Mais il y a beaucoup de checkpoints, donc ça se passe bien. Ah, mais les musiques sont sympas aussi. Mr. Sandman, yes. Ah. Qu'il faut en gros sauver le monde, quoi. Restaurer la créativité dans le monde de Little Big Planet. En sauvant les héros des temps jadis pour lutter contre Newton qui se fait manipuler par les titans. C'est des méchants, quoi. Ce sont méchants, c'est les titans. Ce qui est bien, en fait, un niveau en fait utilise une particularité du jeu, genre un objet, un personnage. Donc du coup c'est assez stéréotypé, mais comme ça change quasiment à chaque niveau, ben, c'est sympa, on passe un bon moment, quoi. On s'ennuie pas en fait. On s'ennuie pas, en plus, heureusement, dans le sens aussi où c'est pas très très long. Quand on le fait en ligne droite, un peu comme moi, j'ai mis à peu près 5 heures. Après, c'est plus long pour celui qui va vouloir dénicher tous les autocollants. Enfin, en fait, c'est ces boules-là. Là, j'ai déjà récupéré, c'est pour ça qu'elles sont bleues. Mais à l'intérieur, ces boules renferment des autocollants qui permettent de créer des niveaux après dans le mode... Donc chaque boule, là, il y a des autocollants? Pas les petites, ouais, pardon, pas les petites. Ça permet d'augmenter le score de points, en haut à gauche. Mais les grosses, elles contenaient des autocollants. Est-ce que tu as combien d'autocollants du coup par niveau? Ouah, je peux te montrer ça. Par exemple, dans ce niveau-là, on va dans Information et dans À collecter. Et tu peux voir que dans ce niveau, il y en avait 54. Je parle beaucoup. As-tu des questions? Pour le moment, non. Tu expliques très bien, Chris. C'est parfait. Tu as réussi. Parfait. Voilà, là, on continue avec notre bon ami. Alors, du coup, si j'ai une question, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis, c'est une très bonne question, c'est vrai. Et c'est pas un truc qui m'a choqué quand j'ai joué, mais oui, t'as tout à fait raison. Ici, il y a quelques ennemis, des espèces de robots sur lesquels tu sautes dessus, mais en général, c'est pas ça qui va poser problème. Ouais, c'est plutôt comment je vais faire pour avancer et tout récupérer. C'est vrai que c'est pas un... Non, il n'y a pas des masses d'ennemis, ouais. Après, c'est un jeu de plateforme, il y a des boss. À la fin de chaque monde, t'as un boss à affronter. Alors, tu ne te bats pas avec tes petits points en sac, en laine. C'est toujours indirectement, quoi. Tu vas actionner un mécanisme, ce qui va faire que le boss va prendre des dégâts. Voilà, la fin du niveau, où tu récupères une des billes qui permettra de débloquer le chien. Hotsock, que tu vas t'empresser de contrôler. J'ai hâte. Dans un niveau qui va rappeler encore plus le flipper que celui-là, t'en parlais déjà. Ouais. Mais là, pour le coup, ça va être vraiment un univers flipper. Ça va être assez speed. Mais ça va permettre de montrer aussi que... Que je suis une grosse burne. Non. Non, pas... Non, t'es super doué, attends. Je suis super doué. Je vais le plateforme.
C'est en toi. C'est... Oui, c'est vrai. Je pue le jeu de plateforme. Ça sent très bon, le jeu de plateforme. Arrête, arrête. Il y a quelques tiens de changement, on peut les voir qui sont un peu longs. J'ai noté ça dans le test que c'était un peu longué. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est quand tu navigues dans les menus, c'est un peu. Il faut pas te planter, quoi. Sinon, t'as vite fait de perdre du temps, quoi. Donc il y a toujours une petite blague à chaque chargement. Donc tu la lis, mais comme tu la lis en 10 secondes, non, qu'est-ce que je dis, en une seconde, et que le temps de chargement dure 20 secondes, voilà. Tu te fais chier. Les cryptes croulantes, are you ready? Yes. Je suis sûr que tu pourras contrôler... Les boutons, ça va venir comme ça? Ça va venir comme ça. Ouais, joystick carrément. Gauche, tu te balades, tu sautes avec croix. Ah, c'est joystick, non. Ouais, il est mignon. C'est un chien, tu dis? Crypts of Terror. Une grenouille, quoi. Ouais, c'est plutôt un chien, quatre pattes. Ok. Pour courir, oriente le joystick. Oh ouais, ça va, je suis pas si con. Quand même. Voilà, ça fait office de tuto. Voilà ce que j'ai fait là. Tu viens de te faire pousser. Okay, en fait, voilà, c'est des petits pièges comme ça. Mais là, imagine-toi dans un flipper et faut tracer quoi, faut speeder. Parce que, ok, à partir de maintenant, faut que je me speed quoi. Ben, c'est plus sympa et tu vas être plus content de ce que tu fais si tu les fais plus rapidement, tu vois. Ok. Voilà, là, ça saute automatiquement sur. Là. Alors jusqu'à présent, effectivement, la prise en main est plutôt simple. Qu'est-ce qui... Tu te laisses couler et à t'appuyer sur un peu de saut. Tu vois l'ambiance là, les petits décors au fond comme ça. Ouais, sympa, mais bon, quand tu joues, du coup, t'as tendance à pas trop profiter des décors parce que tu te concentres sur ton c'est vrai, c'est... ouais, c'est vrai de temps en temps, j'ai quand même pu profiter. Oui, j'aurais pu te dire que c'était en haut. Oui, merci. Oui, effectivement, c'est un haut. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux où tu profites pas parce que t'es vraiment à fond dedans. Souvent, les jeux de voiture, tu vois pas la qualité des graphismes, etc. Là, ça me l'a pas trop fait. J'ai quand même pu bien regarder les décors. La plupart des gens disent que c'est pas top sur PS4. Moi, ça me plaît. Alors, c'est peut-être pas. Voilà quoi, c'est peut-être pas digne de la console, mais c'est quand même plus sympa qu'auparavant. Bon, pour le moment. Là, ça saute tout seul. Hop. Et là, faut pas. Ah, la bille dans la gueule. Là, j'ai dit. Et là, faut pas. Ah, la bille dans la gueule. Et oui, c'est vraiment timé pour pas que ça te. Timé pour faire chier. Ouais, c'est timé pour pas que tu traces tout de suite. Faut prendre un peu de temps. Donc, ça gueule. Et là, go, go, go. Ça gueule le chien battu. Et la musique rythmique te. Allez. Tu dis qu'il va plus vite, lui, que Sackboy? Ouais, il va plus vite. C'est vrai que au tout début, j'ai fait. Je me suis dit non, pas vraiment. Et en fait, si, si. Si, à force d'y jouer, tu vois bien la différence, en fait. Ouais, mais en ligne droite, là c'est que t'as beaucoup de verticalité, mais en ligne droite, ça se sent bien. D'accord. Encore une fois, là, le seul petit regret pour moi, c'est que ces personnages secondaires, ils sont intéressants à jouer, y a pas de souci. C'est que malheureusement, ils sont prévus pour ce niveau-là. Tu vois, pour ce niveau-là, tu peux jouer que lui. Tu vois, clairement, c'est un niveau prévu pour ses capacités à lui, à grimper sur les murs. Y a que lui qui grimpe sur les murs. Voilà, y a que lui qui peut faire ça et qui peut être jouable dans ce niveau. J'aurais aimé, par exemple, qu'on puisse switcher de personnage à la volée dans des switcher, niveaux. Switcher, petite dédicace. Ouais. Oui, dédicace à l'équipe et à la vidéo. Et Ouais, c'est vrai, ça aurait été bien de pouvoir switcher à la volée dans les niveaux qui demandent de faire ça ou ça. Et encore mieux, pourquoi pas des niveaux qui peuvent être résolus, terminés avec de plusieurs façons différentes, quoi, en fonction du personnage qu'on a joué, etc. Enfin, bon, j'espère que on a pesé en tête. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il est facile, ton jeu? Impeccable, niveau terminé. D'accord. Et voilà. Qu'en penses-tu? Très simple. Après, c'est quoi? C'est le niveau le plus bas, peut-être, que t'as mis ou... C'est le premier monde, donc c'est pas très dur, ouais. D'accord. Mais oui, c'est pas un jeu compliqué à terminer. Ça demande un peu de recherche et de fouiller pour pouvoir tout débloquer. Mais c'est pas très très long. Non. C'est pas mon Dieu, compliqué. Ça faisait longtemps que je m'étais pas retourné vers toi. Tu as le soleil en plein dans le visage. Oui, depuis peu là. C'est en train de jouer. Oui, alors je vois rien. Illuminé mais ça a l'air sympa. Donc voilà pour le mode aventure classique. Ce mode aventure contient également un mode énigme pop-it. C'est un tutoriel à la création de niveau. Qui fonctionne comme un mode aventure avec ses niveaux, etc. Donc, moi, et pour créer son monde, on va voir dans ma lune. Donc, ça porte à confusion. Voilà, j'ai été sûr que t'allais. Il est terrible. Allons voir dans ta lune. Allons voir dans ma lune. Et là, on peut voir qu'il y a plusieurs mondes. Alors, ce sont des mondes là où il y a plusieurs ronds. C'est un monde. En fait, c'est comme une aventure du mode solo. On va rentrer dans ce monde, et dans ce monde, il va y avoir plusieurs hubs. Et donc, plusieurs niveaux. Par exemple, je rentre, je choisis le hub. Donc, voilà la création. T'es dans un univers vide, tu peux dire. Tu peux pas dire coucou, malheureusement. J'ai pas montré la magnifique option qui permet de bouger les bras pour dire coucou, parce que le jeu se joue aussi à deux. Ouais. Et tu peux saluer tes amis pendant le mode aventure. D'ailleurs, faut noter que ça va être obligatoire de jouer à deux dans le mode aventure pour débloquer tous les autocollants. D'accord. Les objets,
Et il faut noter que si t'es pas abonné au PS Plus payant, si les deux personnes ne sont pas abonnées au PS Plus payant, tu l'as dans le on peut pas jouer à deux. D'accord. Donc après, pour construire, on va dans la sacoche piocher les autocollants débloqués. Par exemple, du bois simple. Donc ça, c'est ce que tu récupérais donc, du coup, dans le mode aventure. Les autocollants débloqués dans le mode aventure de Little Big Planet 3, mais le jeu permet d'importer tes données de Little Big Planet 1 et 2. Donc voilà, les objets, on peut les tourner, on peut les grossir, les rétrécir, et on les pose. N'importe comment, tu vois. Et après, tu peux voir ce que ça rend tout de suite, comment ça rend tout de suite. Et donc, tu agences tes objets, tu fais des rampes, tu fais des loopings, des choses ça comme ça. Ça doit être super dur. Ça demande beaucoup de patience, ça c'est sûr et certain. Il y en a qui vont adorer, d'autres qui vont dire « Oh mon Dieu, non, c'est trop compliqué. » Après, c'est vrai que Little Big Planet, c'est quand même c'est 50% même plus du jeu de faire ça. Ou sinon, autant jouer à un jeu de plateforme tout court. Okay. Et aussi, quand on joue en mode deux joueurs dans le mode solo, on joue deux fois Sackboy. En mode deux joueurs, en mode solo, c'est bizarre, ça veut dire. Oui, dans le mode solo, on peut jouer à deux. C'est bien. Dans le mode aventure, en fait, faut l'appeler le mode aventure. Ok. Voilà pour cette création. Donc, il n'y a rien d'inédit. C'est simplement qu'il faut rassurer les joueurs anciens qui ont beaucoup œuvré grâce à LBP 1 et 2 sur cette version PS4 de LBP 3. C'est beau de parler d'un jeu en mode raccourci, LBP. Ouais. LBP, oui, Little Big Planet. Ouais. Tout est compatible, on peut accéder à tout le contenu créé dans les... Oui, 9 millions de contenus créés dans les épisodes d'avant. Et on peut tout importer, donc pour ceux qui ont beaucoup œuvré avant, c'est ça que je voulais dire, et ben, vous ne perdez pas, quoi. Vous récupérez tout et vous partez sur de nouvelles bases sur PS4. Et vous profitez du disque dur de la PS4 qui est plus important. Et puis du graphisme qui a un peu amélioré. D'accord, parce que tu disais que du coup, toi, le mode aventure, tu l'as fini en 5 heures ? 5 heures parce que j'ai fait une boîte, j'ai essayé quelques missions annexes, quelques quêtes annexes qu'il faut dénicher sans grande difficulté dans chaque monde. Ce qui est plus intéressant, je pense, c'est quand même la recherche de tous les autocollants. Ça demande d'utiliser le bon objet au bon endroit. Ça plaît quand même assez, je pense, au public de plateforme. Ouais. Là, il faut quand même monter à 10 heures, je pense, à peu près. D'accord, donc ouais. Ce qui est explosé. 10 heures, c'est pas très très long non plus pour un jeu vidéo, donc... C'est pour ça que si on passe à côté tout le côté création et qu'on fait le mode aventure et qu'une fois qu'on l'a plié et qu'on termine à 100%, on remballe le jeu, c'est vrai que ça serait dommage de payer 60€ pour ça. C'est pour ça que le mode création est important aussi dans le jeu. Alors. Voilà. Voilà, écoute, pour ce LBP 3, moi je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. Mm-hmm. C'est vraiment, faut le voir comme une version ultime. En gros, on peut avoir accès à tout ce que les gens ont fait avant. Il est beau, le mode aventure est varié. Moi, il m'a beaucoup plu. Il est un peu court. Ça c'est sûr, j'aurais aimé pouvoir avoir des niveaux qui demandent peut-être plus de skill et surtout de devoir switcher entre des persos, peut-être d'une touche de manette, tu vois. Et bah, quel est ton avis? Mon avis, c'est qu'il est un peu somme du coup, parce que pour un mec comme moi qui n'a pas trop l'habitude de jouer à des jeux, j'ai fini ton niveau assez rapidement, donc effectivement, s'il n'y a pas beaucoup de monde et de niveaux dans le jeu, ça doit vite se torcher, quoi. Donc, assez simple. Assez court, ouais. Ça, alors c'est après, sûr. Oui, si effectivement les gens achètent ce jeu pour le mode création, je dis pas, il a l'air vachement plus complexe, donc pourquoi pas, mais... Voilà, très clairement, c'est là où il révèle son potentiel, hein. Sinon, d'accord. Un peu moindre. Même si, pour moi, l'aventure est satisfaisante en soi, mais il n'y aurait eu que ça, c'est clair que ça aurait été... Ça aurait pas eu le coup. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, je te remercie en tout cas de m'avoir présenté LBP3. Avec plaisir. La classe LBP3. LBP. Quoi. Et puis, voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain Switch. À très vite. Ciao.